Hello tout le monde, c'est Edn0ra22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale: Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait 2 jours! Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Amicia, un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute! Et plus vous le faites souffrir, plus les races répandent, et plus il sème la mort! C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magistère, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia... Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez, il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la macula. On doit... C'est le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Pas avant de t'être calmé. Tu l'as dit toi-même. La macula se nourrit de ses émotions. Ah! Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'ordre à Marseille et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, s'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia. Viens avec moi. Soyez prudent, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Non! Tu étais au courant pour Hugo? Je voulais t'en parler, mais... Tu aurais dû... On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Oh, Seigneur, je peux pas... Oh, continuons. D'accord. Alors, on va toujours continuer à chercher des collectibles. Le comte d'Arles a ordonné le couvre-feu. À tous les habitants, restez chez vous! Une patrouille! Que fait-il? La ville est en état d'urgence. Tout individu présent dans les rues sera arrêté. Ça y est, ils vont boucler la ville tout entière. Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière, si? Je ne sais pas. On a besoin de ce bateau, et vite. Ok. Alors, on va continuer juste à checker si on trouve des fragments surtout. Rien par là. Ne cédez pas à la panique. L'armée de Provence a parfaitement le contrôle de la situation. Oui. Allez leur dire ce que votre contrôle signifie. Alors, on va regarder s'il y a des choses par là. Il n'y a rien. Regarde, cette tour de quai au fond, elle mène au port. Préparez-vous à partir. On va amener le chargement jusqu'au quai. Les quais. C'est là qu'on va, c'est ça? Ces cages sur leur chariot, je crois que ce sont des corps de la reine. Alors c'est là qu'ils les amènent. Alors, ça tombe très bien, parce que dans ce chapitre, il y a un succès où il faut que nous épargnions la garde qui se trouve sur les docks. Alors, on va essayer de pas le tuer. Amicia, quand on y sera, tu retiens ta fronde, d'accord? On n'a pas besoin d'autres. Ennui comme à la grange. On ne tue plus de soldats. T'inquiète pas, je t'ai bien compris la première fois. Je m'y prendrai autrement. Alors là, il n'y a rien. On va juste regarder quelque chose. C'est... en termes de capacité, prudence, on n'est pas assez prudent et agressif, on l'est pas non plus. Bon, ok. Toujours rien. Les rues sont vides. Pas de petits coffres. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a rien. On y est. Bon. Attends. Là, il n'y a rien. Il est gentil, Lucas, mais moi, il faut que je crafte, alors pas qu'il aille trop vite. Rien non plus par là. Là, il n'y a rien non plus. Ok. Attends. On va me checker, hein, parce que... on sait jamais. Nope. Et nope. Ok. Tu voulais que je demande au magistère Vaudin à propos de l'île, la fresque dans ses appartements. Il a dit quoi? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau. Exactement comme dans les rêves d'Hugo. Je sais. L'île, le réveil de la macula, l'ordre, c'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire. Ça m'aide à ne pas me sentir seule dans tout ça. Tu ne l'es pas. Je suis là. D'accord. Donc là, on est d'accord, on n'a rien du tout. Sachant que il faut aussi... que nous récupérions, donc comme d'habitude, une fleur, de souvenirs et pourquoi pas un petit coffre secret. Alors, lui se dirige vers la porte, moi je regarde. Rien. suis désolée, Amicia. Pour Hugo. Il n'est pas encore mort. Très bien. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. Pas tuer, pas se faire repérer. On y est. Alors, où est notre bateau? Voile rouge et blanche. Juste là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. Alors, du coup, on va regarder par là. Ah. Donc là, il y a des fragments. Attention, Lucas. Et puis là, il y a une petite plante. Elle est si belle. Je la prends. Pour Hugo. Une gentiane, je crois. Ça devrait lui plaire. J'aimerais pouvoir lui offrir tellement plus. Il aime tout ce qui vient de toi. Pas sûr qu'il soit de cet avis. Au premier collectible. On va ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Là, il n'y a plus rien. Ok, on va monter. Vous devriez déjà être à la porte. Ils sont là. On avance en silence. Fous-nous la paix. On ne peut pas se permettre de casser ces jarres. La ville n'a plus le temps. La ville a besoin de ces jarres intactes. Alors calmez-vous. Assez jacassé, soldats. Allez, allez. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils aggravent encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Il paraît que la Guyenne n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui. Et vous subirez bientôt le même sort, vous aussi. Alors, il y a un succès où il ne faut pas tuer les gardes sur les docks. Et nous sommes en plein dans les docks, ça tombe bien. Donc, notre but est de ne zigouiller personne. Ça va être horrible. Un vrai festin de rats. C'est pour ça qu'on doit chuchoter. Faut pas qu'on se laisse prendre. Regardez du coup si on a d'autres collectibles. Alors là, il y a une trappe. Là, il y a un trou. Ah, elle est dans le trou. On dit que cette ville était une porte d'entrée commerciale vers la Méditerranée. Non, c'est plutôt une porte d'entrée pour la morsure. C'est désespérant. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Ok, donc là il y a un truc chariot pour mener, j'imagine, là-haut. Ou à moins que je peux monter sans. Non, ok. On va pousser le chariot. Lève-toi. Allez, Lucas. J'en ai jamais vu autant. Il y en a pour une fortune. Quelqu'un a fabriqué ça. à l'autre bout du monde. Tu penses que c'est pareil en Chine? Tu crois qu'ils ont aussi les rats? Peut-être pas. Pas encore. Il faut arrêter ça. Ok, et donc là on a notre tout premier souvenir dans ce chapitre. Donc très important de ne pas descendre du coup par la trappe. D'abord parce que sinon vous loupez ce succès, enfin ce souvenir là en lien avec le succès. Voilà, on va pouvoir revenir en arrière et on va pouvoir du coup maintenant ouvrir cette trappe. Alors, on va ouvrir la porte. Donc là, il y a deux gardes. Et pareil, il ne faut pas les tuer. Et on a pas mal de choses pour pouvoir les... Pour pouvoir les... Comment dire? Les distraire. Donc il y en a un qui bouge pas et il y en a un qui fait des rondes. On va déjà aller par là. Des soldats casqués. Il va falloir s'empiler. J'espère que cette porte a un accès dérobé. Qu'y a-t-il derrière, tu penses? On le saura bien assez tôt. Un couteau. Tu crois qu'ils vont y arriver cette fois? Je crois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les cadavres affluent de la ville, et qu'on en a déjà trop dans nos rangs. J'aurais dû aller voir ma mère tant que je le pouvais. Pris. On n'a plus que ça. C'est bien peu. Il va falloir qu'on monte. Alors... Attends qu'il ait le dos tourné. Parfait. Autre coffre. Alors, on va préparer un caillou, la main. Ouh, Lola, il me voit. On va attendre qu'il ait le dos tourné. Faut voir d'où venait ce bruit. Ah mince. Et puis je suis pas assez... Rien du tout. Rouge alors. Attendez. Rien. Ouh. Ah non, maintenant il est vers moi, il me regarde. Bon. Ok. Là, on s'est un peu planté. On va attendre qu'il soit suffisamment loin, lui. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. Ouh. J'ai juste. Je le savais. On va regarder s'il y a des collectibles par là. Non. Alors on va pouvoir aller plus loin. nickel. Ok. Je pense savoir ce qui s'est passé ici. Et il répète les mêmes erreurs. Fais quelque chose, bon sang. C'est coincé. Aide-nous. Alors là, on peut pas y aller. Oula. Au départ, j'allais vers la lumière, hein. Ne va pas plus loin, Amicia. Ah ouais, genre... C'est impossible. Un rat de rat, quoi. Comment on va traverser ça? C'est un rat de rat. Ce liquide au sol, c'était dans leur jarre. Ça sent la poire. Si c'est ça, c'est hautement inflammable. Essaie d'y mettre le feu. Oui, oui. Oh, attends, vont t'exciter, Coco. Non. Non, laissez-moi tranquille. Je voulais essayer d'aller là-bas, mais... Bon, on a déjà essayé avec ça. Inflammable. Je ne m'y attendais pas. Et non moi plus. Non plus. Attention avec ces flammes. Moi non plus, je m'y attendais pas. Voilà, ça va être un peu compliqué, je pense. Parce que je vois rien qui puisse s'illuminer. Enfin... Je vois rien qui me permettrait d'y mettre le feu. Ouais, bon, bref, ok. Ce brasero, on peut le déplacer. Oui. En plus, je crois pas que je puisse amener le brasero. Je vais me cramer, je me connais, je suis nulle en conduite. Heureusement que j'ai mon permis. Mais je crois pas que le brasero, j'arrive à l'amener là pour faire le tour et pour aller là-bas. Ça me semble hyper complexe. Donc bah tant pis. Non. Ah, dis donc, elles sont affamées de ouf, hein. C'est pas possible. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Jusqu'à ce que les rats l'envahissent aussi. Amicia, l'ordre possède des quartiers adaptés à Marseille. Des équipements et des gens. Des gens comme Vaudin. Et tu crois que ça va se finir comment? Si on reste ici, on meurt de toute façon. Ok. Alors on va s'arrêter là. On va grimper à l'échelle. J'ai laissé tomber l'idée d'aller là-bas, hein. J'y arriverai pas. Ah! Voici donc notre deuxième coffre secret. Voyons ce qu'il contient. Donc, si vous n'aviez pas le couteau, il était possible de le récupérer en bas avec les deux gardes qui patrouillaient près de la porte. Donc, c'est parfait. Donc, on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Et puis, une petite astuce. Alors, il s'avère que les succès en lien avec le craft, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tous les instruments qui soient au maximum en même temps. Du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons accumuler tout ce qu'on peut accumuler comme outils, notamment, et puis comme fragments également. Et par la suite, nous allons, dans les chapitres prochains, trouver un établi. Et nous allons pouvoir crafter un matériel. Ça va nous donner le succès. Quitter la partie. Et en quittant la partie, eh bien, on conserve les outils et les fragments. Revenir dans la partie, crafter un deuxième élément, quitter et ainsi de suite jusqu'à obtenir les 5 succès. Puisqu'encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas besoin d'avoir les 5 outils, à savoir la fronde, l'alchimie, l'arbalète, l'attirail et les outils, je crois, ou l'instrument, je ne me rappelle plus, en même temps. Donc, on va un peu tricher jusqu'à ce que j'espère qu'il n'y ait pas de patch. Mais normalement, ça devrait bien pouvoir se faire. Donc, on va faire comme ça. On va ruser un petit peu, accumuler tout ce qu'on peut. Et dans un futur chapitre, eh ben, on fera un peu cette magouille, entre guillemets, à savoir crafter, quitter, crafter, quitter, crafter et quitter. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire comme ça. Mais voilà, ça va vraiment... ouais, on va jouer un peu sur le fait que, bah voilà, il n'y a pas besoin d'avoir ces 5 outils en même temps, voilà, augmentés, pour pouvoir obtenir les 5 succès. Par contre, les compétences, ça, il va falloir qu'on trouve une méthode. Je vais y réfléchir. Alors, eh ben, je pensais que c'était la suite par là, mais alors pas du tout. Donc en fait, on est venu ici pour rien. Donc ben, on va redescendre. Je pensais que la suite de l'aventure se déroulait en haut de cette échelle. Donc... Ah, attendez voir. Il y a quelque chose à récupérer par là, je crois. Voilà. Donc si c'est pas par là... Si c'est pas par là, c'est que c'est autre part. Et si c'est autre part... où est-ce que ce serait? Ah, donc ce serait par là parce qu'il y a un feu. Ça n'ira pas plus loin. Bah c'est pas grave, on passe. On passe. Oui, on passe large. Voilà. Ok, alors. Le bateau de Joseph. On se rapproche. Joseph. Je sais pas si c'est fait exprès de prendre le nom là. Joseph le sauveur. Ok. Alors je le rappelle, il y a toujours le succès où il faut tuer personne. Oh, en voilà d'autres. Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Ouais. Alors, bouge pas. On va faire tomber la viande. Et on va prendre celui-là. Je vais le crafter quand même. Merci, cher alchimiste que vous êtes. Le reste du ponton. Espérons qu'on pourra passer. Donc là, il n'y a rien d'autre. Ça brille par là, non? Ah non, c'était le feu. Et là, il n'y a rien. Ok. Alors, on va rentrer. Pagaille. Oh, cette odeur! De la poix, ça fait tourner la tête. Je n'entends pas de rats ici. Non, mais ils étaient là. Regarde ça. Seigneur, c'est quoi tout ça? Une fabrique de poix. Ils doivent l'utiliser pour étancher les cordes des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non! Mon Dieu! Ils nous poursuivent. Pas de panique. On a de la résine. Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poix. Un bassin de poix. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme. Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Il faut trouver un moyen d'y aller. Tac. Ça brille par là. Bien joué. Voilà qu'on fabrique de la poix. Je sais, mais ça devrait être rapide. Bon, allons-y. On fabriquait pas de la poix dans l'épisode, hein, il me semble pas. Hein. Bon, est-ce que je m'occupe de la partie réservoir? Tu en penses quoi? Ouais, parfait. Oui, monte par l'échelle. Je me charge de faire bouger la plateforme. J'y vais. Ouh, du fragment. Laisse-moi jeter un œil. Ouais, laisse-moi jeter un petit œil. Je vais surtout ramasser des trucs. Bon, allez, on va faire travailler les biscottottes. Allez, go! Oui, tourne-la à fond. Je m'en occupe. Tourne. Bien, tiens bon jusqu'à mon signal. D'accord. Je suis prêt. Je lâche. Accroche-toi. Wow. D'ailleurs. Reviens au bassin. J'arrive. Le diluant. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Tu es prêt? Oui. Fabriquons ça de poids. On verse. Tu connais les quantités? Non. J'improvise. S'il te plaît, évite de nous tuer. On va exploser. Bien. Je pense que tu peux l'enflammer. D'accord. Voyons si cette poids est efficace. Oh, ça marche. Oui. Ouh, allumez le feu. Première étape franchie. Oui, mais je suis coincée. Attends, je crois que je faisais des expériences avec des ingrédients ici. Oui, ça peut marcher. Je te les envoie. Ces bêtes sont tout près. Ici, préviens-moi quand tu es prête à attraper. I'm ready. Tu as de la résine et de l'alcool. Mélange-les. C'est fait. Parfait. Maintenant, lance un pot de poids entre ces deux bassins. Ok, pot de poids. C'est parti. Pourvu que ça marche. Voyons si cette poids est efficace. Ouais. Attends. On va allumer le feu. Parfait. Oui. Ce dernier bassin est déjà rempli de poids. J'arrive. Oui. Oui. Oh, tu m'as sauvé la mise. La poix t'a sauvé. Ça fait des miracles. En tout cas, attends. Merci. Il n'y a pas de quoi. Faut checker en haut quand même. Là-bas. Voyons ce qu'il contient. Oui, un outil, c'est parfait. Hop. Allez, go. On va descendre. Et on va se casser d'ici. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Notre bateau devrait être droit devant. Ne sois pas trop optimiste. Écoute, Amicia. Pour Hugo, j'étais coincé entre le magistère Vaudin et ta mère et je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. C'est juste que... j'étais pas prête. Je peux pas le perdre. Je peux pas. On fera ce qu'il faut. Oui. Mais parce que je le répète, si on le perd, il n'y a pas d'épisode 3. Et moi, il n'y a pas moyen, je vois un épisode numéro 3. Vous êtes gentils. Un truc à prendre là ou pas? Ah, un pot! Ah non, des fragments. Parfait. Ah! Ça brillote par là-bas. Quand même fabriquer du feu aussi. Ouais. Ah ah! Et des fois, il y a des trucs qui sont super bien cachés. Là, il n'y a rien. Truc de ouf. Genre, il faut vraiment avoir l'œil sur tout, quoi. Genre les petits anneaux, les petits machins qui brillent. Ah, tant de gens doivent être en train de mourir en ce moment. C'est si calme. Nous n'aurions jamais dû venir. Tu persistes à croire que tu peux tout contrôler. Mais nous ne sommes que des grains de sable face à la macula. Je ne suis pas un grain de sable, Lucas. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois arrêter de te sentir coupable. Peut-être. Viens, un bateau nous attend. Allons emmener Hugo loin d'ici. Très bien. Ah! Donc là, on a un autre souvenir. On a un autre souvenir. Alors... Il était bien caché celui-là. Superbement bien caché. Allez, suis-moi. Parce que, par contre, ce que je comprends pas, c'est que... Ah, vous voyez. Alors que je suis passée. Pourquoi tout d'un coup j'arrive plus à passer? J'ai pas pris de poids, hein. Donc, on a un souvenir, on a... Ah non, 2 souvenirs, une fleur, un coffre. Et il nous reste encore à voir le succès de Clémence face aux gardes sur les docks. Alors, essayer de tuer personne. Effectivement. Regarde, au loin, le bateau de Joseph. On se rapproche. Oui, allons-y. Ouais. Ah, ils sont là. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. Ils fabriquaient encore de la poix ici. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui. Fabriquons encore de la poix. Quelle journée. C'est clair. Genre... fabrique de poids, quoi. Alors, attends. On va déjà descendre. Ok. Ok. J'ai compris. Le problème, c'est que moi, il me reste plus qu'un pot. Alors, s'il y a des trucs à faire péter... Je vais être un peu mal barré. Encore des fragments, magnifique. Alors, bah écoute, on va faire venir ce truc. Voyons à quoi tu sers, toi. Ça contrôle la passerelle. Il faut amener ce tonneau ici. Ok. Vous êtes qui, vous? On fait que passer. Eh bien, impossible. Je suis coincé ici depuis un bail avec Serra. Faut que je sorte d'ici. On a une idée. Avez-vous accès à cette passerelle? Oui, mais je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont relevé le pont. Je peux m'en charger. Hein? Je m'en charge comment? Ouais, je m'en charge comment? Ah, comme ça? Bon sang, je m'attendais pas à ça. Un instant. Il a l'air raisonnable. Il a peur. Alors ça joue pour nous. Voici ton diluant. Merci. Il n'a pas l'air au courant de notre évasion. Oh, il n'a pas encore fait le rapprochement. Moi, je peux pas. Et on recommence. Vous aimez pas le feu, hein? Non. Bien. Vous allez allumer ça comment? On a nos méthodes. Je vois aucune torche ici. Attendez un peu. Donc j'imagine que mon copain Lucas il va rester... Ok. Au revoir. Ah, on va fabriquer ça aussi. Bon, c'est déjà ça. Hey, c'est quoi ce truc enflammé que vous avez jeté? C'est... Du fait maison. Alchimie basique. De l'alchimie? On n'aime pas trop ça par ici. Dommage, parce que ça va vous sauver la peau. Les soldats. Bien. Il nous reste encore 2 bassins. Ouais, mais attends. Amicia, tu devrais aller sur la passerelle pour t'occuper du diluant. Je m'occupe de la faire bouger avec la manivelle. Parfait. Je te dis quand j'ai besoin de toi. Ah d'accord, moi je vais sur la passerelle. Ok. Lucas, c'est pour toi. Bien. Alors, vous allez où comme ça? On se sauve d'ici. Vous êtes au courant d'un confinement? Oui, et les gens meurent quand même. C'est le Covid. Je vois. Hé, hey, tu as manqué le bassin. Pas si vite. T'es allé trop loin. Reviens un peu en arrière. Ça ira comme ça. D'accord. Bien, tout est en place. Attends. Je vais juste ramasser des trucs avant. Parce qu'on sait jamais. On va avoir des fragments, mais c'est magnifique. Et ça, ce sera pour plus tard. Ok. Ok. J'espère que ce que je fais, c'est juste. C'est le moment d'allumer celui-ci aussi. Je m'en charge. Bateau qui bloque le passage. À toi de lever celui-là. Occupe-toi de ça, Lucas. Immédiatement. Ah, voilà. Travail d'équipe, vous vous débrouillez bien pour des civils. On a souvent dû ne compter que sur nous-mêmes. On y est presque. Remplissez juste ce dernier bassin. T'es trop loin. Arrête maintenant. Bien. C'est long et fastidieux, hein. Moi je vous le dis. Hein. Allumer le feu. Je dis, hein, c'est l'hymne de la... l'hymne de cette... cette séquence. Lucas, tu peux avancer. La voie est libre. D'accord. Ah ouais, mais attends, il y en a encore là. Il est où, Lucas? Amicia, je suis bloqué. Non. La lumière n'éclaire pas assez loin. Il y a forcément un moyen. Oui, jeter de la poix directement dans le feu. Ça va amplifier les flammes pour un temps. C'est... Eh bien, oui, ça peut marcher. Bien, ok. Ah, de la poix. Ok, c'est de la poix. Mes yeux! Maintenant! La pointe brûlera pas longtemps! Ça a marché à merveille! Merci! C'est même plutôt malin! On n'est peut-être pas dans l'alchimie, mais on connaît ça à la fois, d'accord? On a vu les jarres. Elles vous servent à quoi? C'est... confidentiel. Ah, très bien. Tu y es presque! Ouais, grave. Je peux refaire ton truc? Je suis bloqué ici. Entendu, je vais essayer. On va enfin le voir de plus près. Restons prudents. On ne sait pas ce qu'il aurait fait si on l'avait croisé en vie. Suivre les ordres. Oui, quel qu'il soit. Wouh! Eh ben, beau travail! On l'a fait! Une chance que vous ayez décidé d'enfreindre la loi ce soir! On devrait y aller, non? Oui, on est pressé. Bien, je vais vous escorter jusque chez vous. En fait, nous devons continuer par là. Impossible. Vous devez rentrer chez vous. Vous plaisantez? Laissez-nous partir. On a fait notre part. La loi, c'est la loi. Laissez-nous passer, ou vous allez le regretter. Tu menaces un soldat de l'armée de Provence? Exactement. C'est bien trop important. Attendez. Ok. Dans les faubourgs, nos hommes ont été attaqués par une fille et un garçon. C'est vous! Vous vous êtes évanés! Amicia, tu peux l'aveugler avec la poix. Je rendrai justice moi-même. Faites vos prières. On n'a pas le temps pour ça. Cours, vers les escaliers. Viens, le bateau est juste ici. Oui. Oh là... Huit. Oh, Seigneur. Plus jamais je ne croirai aucun d'eux. Oui. Et voilà. Là, nous avons obtenu le succès de ne pas tuer le garde sur les docks. En fait, il s'avère qu'on aurait pu tuer les autres, puisqu'il s'agissait uniquement de celui-là apparemment. Mais bon, on a été au moins comme ça améliorer nos compétences de prudence notamment. Voilà. Why not? Et puis, donc voilà. Il ne faut pas le tuer, il faut vraiment lui envoyer cette poudre de pois dessus, comme le suggère d'ailleurs Lucas. Donc en fait, voilà, c'est pas un succès difficile à avoir parce qu'il vous donne la réponse. Magnifique, mais magnifique! Et là, on a un autre établi. Nous n'allons pas utiliser l'établi comme je vous ai dit tout à l'heure pour obtenir nos 5 succès en lien avec l'augmentation des équipements. Je vais juste regarder quelque chose. C'est qu'effectivement, pour la fronde, il nous faudra 65 plus 90. Donc, ça voudrait dire qu'il nous faudrait à peu près... Ouais, il faut compter à peu près... donc 65. On va compter à peu près 180, quoi. 180... Et à chaque fois, 2 plus 3, donc 5 outils et à peu près 180. On va juste regarder si c'est ça la même chose. Donc celui-là, c'est le maximum. Ah non, là c'est un peu plus, c'est 80. Ouais. Donc à chaque fois, il faut en tout cas 5 outils, ça c'est sûr. Et il faut compter à peu près 180 fragments. Maximum. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas du tout utiliser nos fragments à l'heure actuelle. On va tricher un peu pour obtenir ces succès. C'est une affaire de santé publique. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Oui, mais les ennuis arrivent. Ne restons pas là. D'accord, tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non, tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, sans blague. Oh, tiens! Joseph, attends! bougez pas! Nous venons de la part de Magistère Vaudin. Nous devons quitter la ville. Vous croyez que je fais quoi, là? Cet endroit est foutu! Pitié! On est coincés ici! Et nous avons un enfant avec nous! D'accord, d'accord. On se retrouve au prochain ponton. Qui êtes-vous? Où est le capitaine? Merde! Des intrus! Ouh! Alors là, j'ai rien vu venir. Allez! Bah, c'est prêt. Oui. Alors, je vais crafter tout ce que je peux crafter. Ça fait du bon temps. Viens avec moi. Des soldats. À couvert. Non, on est bloqué. C'était quoi ça? Joseph a cassé une jarre de bois. Ça a réagi au contact de la torche. C'est le moyen le plus rapide. Lucas, ça devient trop dangereux. On va se faire tuer ou manquer ce bateau. Il faut que j'utilise de nouveau ma fronde. Oui. Fais ce qu'il faut. On a besoin de ce bateau à tout prix. Bien. On va passer par là. Allons-y. Le manger? Mais mange, mangez les rats! Ah, oh, flûte! Oh, trop nul! Enfin, j'entends que l'autre s'approche. Bon, attendez, attendez voir. Blablabla. En plus, il y a un bout. Coffre par là. Prendre un bâton. Ah, je peux pas. Ok, bouge pas. On va allumer là. Le timbre à lui ou pas? Hey! Et voilà! Il est dead! Je sais pas du tout ce que j'ai lancé. Je vais récupérer mon bout de bâton. Alors... D'ailleurs, elle est où ce prochain ponton de mes deux? Oh non, je vais pas aller par là parce que du coup, ils sont en train de s'occuper de là. Nous sommes sortis du port. Que font ces soldats ici? Il veille à ce que personne ne s'échappe. Encore les fragments. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que c'est sécure? Regarde ce feu au milieu. Oui, il est gigantesque. Ça sent la poire. C'est donc pour ça qu'ils en avaient besoin. Quelqu'un a peur du noir, on dirait. Ouais. Bon, moi je vais juste faire le tour. Il n'y a rien. Et un bout de viande. Ce feu. Ouh, ils sont là. Ce n'est pas du bois qui brûle, c'est des cadavres. Oh, voilà où ils finissent tous. On n'a plus de bois et les cadavres affluent. Au moins, ça veut dire que les nettoyeurs font leur travail. Tu parles d'un nettoyage. La plupart de ces gens étaient même pas malades. La peine de tout le quartier, c'est un massacre. Potentiellement, ils sont tous atteints. On peut pas risquer de laisser quelqu'un sortir, tu le sais. C'est pour ça qu'ils ont condamné la ville. Oui, piéger les gens à l'intérieur, puis s'en débarrasser. C'est une tactique de guerre. Une fois qu'on aura vu Joseph, on retourne à la maison au plus vite. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Je ne pensais pas qu'il serait pire que l'Inquisition. Plus rien ne m'étonne, tu sais. Il y a un coffre là. Si seulement le comte avait été là, il aurait pris les bonnes décisions. On aurait pu lui demander une audience et quoi? On lui aurait dit qu'on amenait les rats et la mort dans sa ville. Il n'y a aucune issue, il n'y en a jamais eu. C'est trop tard de toute façon. L'épicentre est ici et ça va se répandre. Il est là. J'ai tellement peur de voir Mère et Hugo parmi eux. Je crois qu'ils ont commencé la purge par les bas quartiers. La maison est dans la ville haute. Il reste du temps. J'espère que tu as raison. Bon attends, moi ça me fait marrer, mais il est où ce ponton là? Voilà. Vraiment chuchoté tout le long du truc. Moi je vais longer tout le long. Je suis pas m'aventurer au-delà. Je vais surtout préparer mes petits cailloux. Donc il y en a un qui vient par là. Il y en a un qui arrive là. Voilà. Alors, on va juste attendre qu'il fasse son aller-retour. Est-ce que ce serait par là? Là, on est d'accord, ça a l'air fermé. Hein. Où est le bateau de Joseph? Le ponton est forcément derrière cette porte. S'il y est déjà amarré. Il a peut-être des problèmes. Il faut se dépêcher. Alors, bah, il y a une porte dérobée, ça tombe trop bien, donc on va pouvoir y aller. C'était pas sans... Et là, on a obtenu une augmentation de prudence. Nous avons eu le pied léger. Le prochain, ce sera... Ah, la prochaine fois, ce sera qu'on pourra se déplacer plus vite en étant accroupi. Il nous manque agressivité quand même. Ça, on l'a pas encore obtenu. Ok! Ok. Alors là, toujours un établi que nous n'allons pas du tout utiliser. Parfait. Il est là. Bordel, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez. Attends. Il y a des choses à récupérer avant. Attends, hein. J'arrive. Merci de nous avoir entendu. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bah, où est le reste du groupe? En ville, ils préparent le voyage. Je dois... Hugo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous, ok? Près de la maison. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que c'était quoi? Je sais pas. Ça m'a réveillé. Ah, la maison. C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu. Rentrez chez vous. Que se passe-t-il? On doit savoir. Dites la vérité. Non, fuyez vite! Non, non! Bon, on va fuir aussi, hein, je te le dis. Hein. Je leur avais dit que ça arrivait. C'est à cause de ce maudit Vaudin. Que je tente de crafter des trucs ou pas du tout? On s'en fout, on y va. Ok, bon, bref. La maison, je peux y arriver. Ouais. Oh là 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 là. Allez, cours! Cauchemar, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut partir, avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Amicia, je devrais le porter. Je m'en charge. La ville, elle a disparu. Toute la ville. Nous devons partir. C'est sans précédent. Alors là, c'est sûr qu'on n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Rien. Rendors-toi. Tous ces gens... C'est trop tard. Continuez. Qui c'est? Essaye de dormir, Hugo. Fais-le pour moi. Non. Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia, qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Les rats. Ils ont attaqué. Non. Non. On s'en va, Hugo. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. C'est ma faute. Calme-toi, Hugo. Non, c'est ma faute. Non. Ce n'est qu'un rêve, d'accord? Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Mais je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt. À Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens. Tu mens. Hugo, je... Mais voilà. S'il te plaît, calme-toi. Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien? J'ai cru que vous étiez... On est tous sains et saufs, Lucas. Montez à bord, vite! Il n'y a que nous. Magistère Vaudin... Je vois. Dans ce cas, traînons pas. Et voilà, fin du chapitre 4 qui est assez triste. Hein, on sent en plus tout le poids de la culpabilité qui pèse sur les épaules de ce petit garçon qui n'a rien demandé. En espérant qu'effectivement, dans la suite des aventures de Amicia et Hugo, ça se passe un peu mieux pour lui et pour toute la famille. Bon, moi, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à me rejoindre sur Twitch. Je suis aussi sur Twitter si jamais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.